Bonjour chers tous, que Dieu vous bénisse très abondamment. On est dans une génération, hélas, où les jeunes gens, les personnes veulent voir la manifestation de la gloire de Dieu de façon tangible, rapide, et on n'accepte plus le processus par lequel Dieu nous impose de passer pour être à même de le révéler de façon efficace à notre génération. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand Dieu te donne une vision, quand Dieu te parle de ta destination future, généralement, il va occulter le chemin douloureux, te cacher les voies d'adversité par lesquelles tu devras obligatoirement passer. Ça s'appelle le désert. Il est impossible, impossible d'être utile entre les mains de Dieu en évitant le désert. Le peuple d'Israël est passé par le désert. Jésus a fait 40 jours et 40 nuits dans le désert. Et toi aussi, tu passeras par le désert. C'est important. Pourquoi Dieu le fait? Parce que dans le désert, tu apprends à le connaître. C'est dans le désert que tu as l'expérience de la visitation surnaturelle de Dieu, que tu apprends à manger la manne et la caille qui descendent du ciel. Parce que dans le désert, il n'y a pas de boutique. Dans le désert, il n'y a pas de supermarché. Dans le désert, il n'y a pas de compagnie pour t'apporter de l'eau. Mais Dieu te donnera de boire de l'eau du rocher, de manger la manne, la caille qui descend du ciel. Je prie de tout mon cœur que Dieu te donne de faire des expériences surnaturelles dans des moments d'adversité. Ça te rapproche de Dieu, ça te brise, ça t'accorde l'humilité, la patience, la simplicité dans l'âme. Quand tu sors de là, tu sors outillé pour de grands exploits dans ta génération. Mais n'oublie pas que Satan te précédera, il va précéder Dieu. En ce qui concerne son action, il viendra te faire des propositions. Tu as soif de puissance, tu as soif de mariage, tu as soif d'argent, tu as soif de gloire. Satan viendra toujours avant en te disant, écoute, prosterne-toi devant moi, emprunte mes voies, je suis prêt à te le donner. Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui veulent les choses faciles. Non, il faut dire non à Satan. C'est quand tu dis non à Satan que tu réussis à avoir le service des anges. Dieu intervient toujours après que ton cœur ait dit radicalement non au diable. Tu n'as pas été créé par le diable. Le diable t'a donné aucune vision. C'est Dieu qui t'a appelé à lui. Il t'a créé pour lui, s'il te plaît. Dis non à Satan. Je te garantis que juste après, tu verras les anges te servir. Dieu est prêt pour toi. J'ai dit Dieu est prêt à intervenir dans ta vie et à faire des choses incroyables. Tiens ferme. Il a parlé, il ne s'est pas menti. Non, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Quand il parle, il va utiliser sa parole pour l'exécuter. Il est extrêmement fidèle. Mais il va tester ton habileté à lui faire confiance. Fais confiance en Dieu, tu ne regretteras jamais. Je parle par connaissance, mais aussi par expérience. Je prie de tout mon cœur que tu t'attaches à ton Créateur. Des belles choses te sont réservées. Pour toi, Dieu, tu as un droit légitime au bonheur en lui. Il connaît les projets qu'il a formés pour toi. S'il te plaît, attache-toi à Dieu. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Ne laisse pas tomber la main de Dieu. Tu n'es pas loin d'un miracle extraordinaire que Dieu s'apprête à faire en ce qui concerne ta vie et ta destinée. Demeure béni, demeure comblé pour te servir. Cette semaine, c'est moi, RW Raoul Wafo, diplômé de l'Académie du désert. On se dit à la semaine prochaine pour te servir. Au revoir. Suivez le Révérend sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Et suivez-nous en scannant le QR code.